Et encore, on est de retour pour vous présenter les cours d'informatique bureautique. On a toujours un Windows et on est en partie Paint. La fois dernière et dans le cours précédent, on a vu comment faire le drapeau haïtien. Et aujourd'hui, on va voir comment et comment créer ou comment faire ou comment construire une petite maison en pente. Comment peut-on construire, créer une maison en pente? Eh bien, la première chose à faire, c'est de lancer pente. Ici, on clique sur Start ou bouton démarrer, All Programs et Accessories et on clique sur Paint. Voilà. Et Paint est lancé. On va voir comment peut-on créer, construire une petite maison en Paint. Et bien pour le faire, on doit d'abord prendre ce rectangle. On clique sur ce rectangle. On va choisir la taille ou bien le size. On clique ici pour faire. On fait ça, on fait le choix de ça. On choisit ce rectangle et on prend cette taille. Et ici, avant de faire ça, je vais agrandir ça juste pour mieux avoir une maison de plus grande taille. Et bien maintenant, je dois draguer ici pour construire la base de notre petite maison qu'on va tout bonnement créer en fait. Je fais ça et je clique dans un endroit, dans un autre endroit. Et je vais faire et le toit. Je vais construire le toit de la maison en choisissant et line ou bien la ligne. Ou bien la ligne. Et je clique ici. Il faut draguer. Il faut draguer. Et draguer ici. Il faut maintenir la souris pour que la ligne soit droite. Il faut maintenir le clic pour que. Il faut maintenir la clic. Il faut maintenir le clic, excusez-moi, pour que la ligne soit complètement droite. Ouais, voyez. Là, la ligne est complètement droite. On relâche. Et on doit cliquer encore à nouveau. On clique. Dehors et on doit ici cliquer encore à nouveau juste pour faire l'autre partie. On fait l'autre partie. Ouais, là encore. Ouais, il faut mettre encore ça jusqu'à ce que cela est complètement droite. Jusqu'à ce que la ligne est. Ouais, là la ligne est droite, on relâche. Ouais. Maintenant, on va faire ça à nouveau. Ici. On voit ça encore. On doit prendre ça là. En le faisant monter. En le faisant monter. En le faisant monter. Monter. Il faut bien prendre ça au milieu. Là. Et il faut que cette ligne-là qu'on soit complètement droite. Et on continue à marcher, à jouer avec la souris jusqu'à ce que la ligne soit complètement droite. On joue avec ça jusqu'à ce que la ligne soit complètement droite. OK. Là, la ligne est complètement droite. On doit tout bonnement relâcher. On va voir encore à nouveau. Et là. Ok, là. On continue à jouer avec la souris jusqu'à ce que la ligne soit complètement droite. Ok, on joue avec ça encore.
On continue avec à jouer. Excusez-moi. OK, là ici, la ligne est complètement droite, on doit relâcher. On relâche ça, on clique dans un endroit au dehors de notre travail. Et maintenant, je vais ça. Je vais prendre ça ici. Et je fais ça ici. OK, donc ici, donc, je clique dehors. Là, il y a un petit défaut qu'on va corriger avec l'IOSR. Ouais. On va corriger ça ici. Ouais. OK. Donc ce petit erreur là, on va le corriger encore là. OK, donc c'est pas grave. Donc on va mettre ça ici, voilà. Mais il manque quelque chose là. Il manque ici un poteau qu'on va mettre avec line et ce line là, je vais prendre ça là, ouais. Je vais prendre ça jusqu'au milieu ici. Là. OK, voilà. Mais il faut qu'on fasse aussi les portes, les portes de la maison et de notre petite maison. On va prendre rectangle, rectangle, et on va prendre la plus petite taille ici, la plus petite taille ici. Pas la plus petite, mais la moyenne ici. Et on drague ici pour faire cette partie-là. Voyez, et je prends encore ça. Aïe, aïe. Encore, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Je clique dehors et je clique encore ici. Je prends ça. Et je vais draguer au milieu ici. OK, on clique dehors. On prend line. Et je clique ici. Voilà, je vais mettre les zéros ici, c'est là. OK, ouais. Donc ça, c'est la maison, c'est notre petite maison. On va finaliser le toit de la maison. On va finaliser le toit de la maison avec la et la plus petite size ici. Finaliser le toit de la maison. OK. Maintenant, on va mettre la couleur gris. C'est toujours ici. On va finaliser avec fill with color, puis la couleur gris. Ouais, OK. Si on veut mettre une petite fenêtre ici, et on prend ça. On va mettre une petite fenêtre. Peut-être il se pourrait bien qu'il fait chaud. Il se pourrait bien qu'il fait chaud. Donc on met une petite fenêtre ici à la maison. Et on peut faire beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres choses. Moi, on s'arrête là. On s'arrête là. C'est à vous de vous approfondir. C'est à vous de vous approfondir, vous voyez les outils, vous voyez comment peut-on construire une petite maison en peintre. Donc, ce n'est pas difficile. Eh bien, maintenant, c'est à vous de vous approfondir, de vous expérimenter en peintre. Merci, merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. On se donne rendez-vous pour d'autres cours et je vous souhaite déjà bon succès dans votre continuité en suivant les cours d'informatique boutique. Au revoir.